bien le bonjour pour ce nouveau numéro de The Big Gamowski. Il faut dire que la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, et que même des fois il y a des moments, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va tester un jeu pour le bien de l'humanité, mais un jeu qui va nous faire profondément, très profondément, abyssalement en fait, c'est le terme approprié, un jeu qui va nous faire abyssalement chier. Alors, je vais vous donner son nom tout de suite, c'est pas à peine de maintenir le suspense, il s'appelle Flowers. Alors tout de suite, dans votre petite tête complètement utopique, cette vision apparaît, et vous vous dites, Flowers, oui, c'est doux, c'est chou, c'est soft. Tu la sens l'herbe qui se frotte contre ton corps nu de dieu quelconque, issu d'une PS3 qui fait tourner ça. Et en fait, non, on n'y est pas. Alors du coup, c'est le drame. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un Flowers, mais qui pue sérieusement, que je me force à vous présenter tout simplement. Oui, ça me pète la tête, ça me pète la tête carrément. Est-ce que mon petit Flowers est prêt? Pas celui-là, l'autre. Rien n'est moins sûr. Je vais mettre un petit peu de musique pour me remotiver le temps de lancer le truc, ça, parce qu'il va y en avoir besoin, vraiment. Halte à la musique. Et vive la sauvagerie. C'est parti. Nous sommes dans Flowers, nous sommes donc en quelle année? Faites-moi voir, il n'y a même pas une année sur ça, si, 1986. Voilà l'engin, shoot à scrolling vertical. Oui, il y a 16 couleurs, c'est magnifique. Et donc, les ennemis vont être des... Oh, les vilaines fleurs! Alors, j'aurais pu le garder pour la Saint-Valentin, ce stream. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me le mettre sous le coude pour le balancer le 14. Et il pourra, ce jour-là, signifier, par exemple, une utilité quelconque, comme votre haine des fleuristes. Effectivement, le jour des fleuristes, on s'en bat un peu les... C'est un petit peu le jour des restaurateurs aussi, mais en fait, c'est le jour de rien, surtout, essentiellement. Trêve de méchanceté, rushons dans ce jeu qui m'a l'air extraordinaire. Et mon impatience est gronde. Je vais choisir, parmi les nombreux vaisseaux, c'est-à-dire celui unique proposé au début. Comment ça, je suis déjà mésvisant. Regardez-moi ce tir! Et regardez-moi ces ennemis agressifs avec leurs sales tronches de fleurs! Non, je ne prendrai exceptionnellement pas pour ce stream mon vaccin anti-JDG. J'ai déjà assez souffert. Et puis, de toute façon, mon bras est devenu une véritable cornemuse à force de me faire piquer par l'infirmière. Donc, il suffit! Je vais déverser toute ma haine sur ce jeu que je n'aime pas. Parce que déjà, avoir un vaisseau pour aller flinguer des fleurs dans l'espace. Savoir que ce vaisseau va rester tout le long scotché en bas de l'écran parce que tu n'as pas moyen de monter plus haut et que pour augmenter ton tir, je ne sais pas comment on fait par la sainte vue de l'esprit du cul du programmeur qui a pompé cette merde. Oh, mais regardez-moi ça. En fait, un stand carabine à la foire du trône, c'est 10 000 fois mieux, hein, les enfants, je vous le dis tout de suite. Et sans déconner, le Duck Hunt d'origine... Moi, je peux l'enchaîner derrière et je m'amuse. Alors, il y a une barre en haut qui clignote, qui a l'air super pratique pour savoir que... Fais-moi redémarrer au début. Vas-y, ose. Mais il ose en plus. Donc voilà. On est en 1986, on a ce genre de jeu dans un rad. Très franchement, le meilleur truc à faire, c'est prendre un bidon d'essence et cramer la borne d'arcade. Vous avez l'antithèse du shmup, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est... parfaitement inintéressant, sur lequel on peut même pas s'entraîner vu qu'il n'y a même pas le moindre pattern qui a un peu de balls. Ah oui, non, mais quand je démonte un jeu, je le démonte, hein, je fais pas pour rigoler. Là, on n'est plus copains, et j'ai décidé que ça se passerait mal, comme lui l'a décidé pour moi d'ailleurs. Donc regardez-moi ça, c'est génial, tout est dans le réflexe, il n'y a rien à réfléchir. Oh mon dieu, j'ai un laser. Dis-moi pas qu'il y a un boss sur cette antiquité. Parce que sinon, je vais faire un arrêt cardiaque. Tu y vas? Non. Déconnez pas.
Et là, le boss te met juste en pruneau et tu meurs. Waouh, le travail de sprint! Waouh, le travail de fond avec la comète spatiale qui passe. Et ce sale tournesol qui est donc le boss. Et qui m'envoie des patterns ultra compliqués, je ne comprends rien, je ne sais, je ne peux plus parler. Non mais je déconne pas. Putain, mais ce jeu. On a l'exemple même du jeu qui déjà était mal fait à l'époque, et donc qui n'a pas eu besoin de mal vieillir, puisqu'en fait c'était déjà une énorme daube dont on ne veut plus entendre parler. Si je fais un continu, il n'y a pas de continu là-dessous de toute façon. Est-ce que j'ai de quoi écrire 4 lettres? Est-ce que j'aurais un mot à écrire pour signifier ma pleine satisfaction? Merci. Et même pas un truc pour faire end. Tu es obligé d'attendre la fin. Il n'y a même pas un compteur. Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes légales? Oui. On va pas s'infliger plus de douleur que de nécessaire. C'est dramatique d'avoir ce genre de jeu. Et je suis coincé sur cet écran tant que je n'ai pas rempli mon nom avec plein de lettres. Complètement génial. Voilà Flower, 1986. Il n'y a pas le nom de l'éditeur. Oui, cachez-le bien parce que c'est le genre de truc. On te le ressort. Bah si, Comax. Comax, quoi. Comago, quoi. On voit bien que c'est une espèce d'imitation, un ersatz. Mais ça n'a ni le goût ni la saveur de quoi que ce soit. Ça a été programmé, je pense qu'ils ont dû piquer un listing hebdo de logiciel, qu'ils l'ont retapé tant bien que mal et puis réadapté pour une borne. Et faire carburer un Paul Z80 en 16 couleurs dessus. Ce truc-là va dans votre mâle muséum, mais foutez-le bien au fond, là où il y a les journaux et où ça commence à moisir un petit peu. Parce qu'il ne mérite pas d'autre endroit. Sur ce, on va se quitter, c'est pas la peine de prolonger un stream inutilement. On se retrouve très bientôt pour un vrai jeu, ça changera un petit peu. Et oui, les streams des shmups, quand je dis que je vais tous les faire, je vous fais également les daubes. On n'y échappe pas, c'est la vie. Parfois, il y a des fruits mûrs et des fois, il y a des fruits bien pourris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre des petits pouces up, comme les connards de tous les streams vous le disent, pourquoi je ne le dirais pas moi. Et surtout, surtout, foncez rejoindre le Twitter de Big Gamowski, donc c'est The Big Gamowski tout attaché, avec l'arrobas devant. Vous aurez des infos et des super bons plans. Ce week-end, il y a eu 5 jeux gratuits proposés, des essais en veux-tu, en voilà, c'était la fête au Slipe. Bref, une source d'infos qui peut être pas mal pour les pinces que vous êtes, je vous connais. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve tout bientôt, c'est-à-dire demain, 19h. Ciao!